Yo les potes NQ, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir deux packs destinés radieuses. Donc c'est Poltergeist et Sapero. J'ai réussi à les avoir assez facilement en vrai pour le prix de base, donc 20€. C'est le prix de base même pour les autres coffrets, donc Monsieur Mime et Deden. Mais normalement ils vont être plus rares que Deden et Monsieur Mime. Du coup voilà, je sais pas si vous... Enfin, vous avez compris. Du coup, je vais les ouvrir pour les avoir dans ma collection, les petites cartes là, et aussi pour avoir les boosters, évidemment, et les pins. Mais du coup, voilà. Je sais pas du tout si on va avoir des bonnes cartes ou pas, parce que c'est pas comme avec Monsieur Mime et Deden, ou les coffrets de Pikachu, où on a plein de bonnes cartes. Là, apparemment, c'est des autres quotas, c'est pas les mêmes quotas. Donc j'en sais rien. On va voir ça de toute façon. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos Pokémon, j'en fais vraiment plein. Et comme ça vous allez voir les ouvertures où j'ai eu le nombre d'ultra rares le plus en gros. Et comme ça, si vous voulez vous acheter un pack, vous savez lequel acheter. Je vais vous donner un indice, c'est les deux coffrets, voilà, c'est un petit indice. Donc vous allez regarder, et j'ai eu beaucoup d'ultra rares. Comme ça, vous savez lesquels acheter. Bref, je parle trop. Bon, je déchire complètement la boîte, mais je les garde pas les boîtes. C'est des boîtes en carton, ça c'est pas la peine. On va commencer par Sapero, parce que Poltergeist est mieux, je trouve. Hop, la carte, je vous la montre de près. Je veux pas l'abîmer, donc je la remets direct dans la boîte. J'irai la mettre en pochette après. Attends, je vais la tourner comme ça. Hop, on a un petit pins, qui est vraiment pas ouf, parce qu'en gros il est tout petit. Genre regardez, on voit même le truc qui dépasse. Le pin c'est tout petit comparé à l'emplacement, regarde. Normalement c'est un gros rond, tout petit. Du coup voilà, on a les boosters, hop, le code. S'il est déjà utilisé, vous savez pourquoi, je le répète. Hop, on va mettre la boîte là-bas. On récupère les autres. La deuxième carte. Ouais, en vrai elle est pas mal. Les deux elles sont pas mal. Hop. Et... le pins qui est franchement beaucoup mieux. Hop, le focus. Ouais, pas mal, pas mal. Hop, je le mets là. La boîte là-bas. Et les boosters avec le code. Hop. Hop, je le lance là-bas. Du coup, on a 6 packs, les gars. J'espère que... Du coup, je les ai commandés sur Internet. Je les ai pas trouvés en magasin. Je vous dis la technique. En gros, vous marquez sur Internet juste l'objet que vous voulez. Par exemple, si vous voulez le coffret Poltergeist, vous marquez le nom, genre Pokémon, Poltergeist, Destinée Radieuse. Et puis, vous allez dans l'onglet Shopping, et puis vous allez sur tous les sites, et puis jusqu'à temps que vous en trouvez en stock. Voilà. Moi, j'ai eu sur deux sites totalement différents, et ils sont arrivés même beaucoup plus en avance que prévu. Du coup, c'est parti. Les packs, hop, on les met là-bas. Et c'est parti. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes. En vrai, je pense une Full Art Shiny serait vraiment incroyable. Évidemment, Dracaufeu. Je pense, déjà ceux qui le savent, moi quand j'ai des ultra rares, je réagis pas forcément. Je sais pas pourquoi, genre j'ai pas de réaction. Mais par contre, si j'ai Dracaufeu, je peux vous promettre, je vais gueuler comme un malade. 4, hop, pourquoi je fais pas 1, 2, 3, 4, 1, 2? C'est pour pas abîmer la carte, les cartes qui sont là. Et c'est pour pas se spoil aussi. Énergie, ténèbres. Blanc coton et flèche. Évidemment, il me faut des communes et des peu communes, mais j'ai pas regardé lesquelles, donc bon, on verra après. Smogo. Attends. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais eu deux fois l'Ixie. Wistempo, la première reverse qui est. Ah non, c'est après. La première reverse qui est Mustéboué et Volcanion. Ah ouais. Oh, les gars, c'est pourri. Là, c'est vraiment nul par contre. Aïe 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 aïe. Premier booster, rien du tout. Et quand on a rien, c'est pas bon signe. Allez, allez. Oh, vas-y, mais. Ouais, c'est quoi ce booster? Il s'ouvre pas. Allez. Oh là là, mais c'est catastrophique. Hop, je le mets là-bas. 1, 2, 3, 4. Et énergie, feu, Motisma, bouclier rouillé, Mustéflo, Mimigal, Lixi, Smogo, on a tout le temps les mêmes cartes, Hippotrampe, Wistempo, Badabouin et Zaroud. What the fuck? Ah mais le quota est vraiment nul.
façon, moi, si j'ai pas vraiment d'ultra rare, c'est pas très très grave parce que c'était surtout pour les promotionnels. Putain, je suis un peu malade, on dirait. Donc, c'est surtout pour avoir Poltergeist et Zapero que j'ai acheté. Mais du coup, si vous voulez juste des ultra rares, prenez Deden ou Pikachu ou Monsieur Mime. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Deux boosters, on n'a eu rien du tout. Alors qu'on peut... Là, on aurait pu déjà avoir 4 ultra rares en seulement deux boosters. On n'a rien. Morpeko, Mimigal, Mustéboué, Volcanion et Métamorph. C'est clairement pourri. Je m'en bats les couilles de Métamorph. Désolé pour les insultes. C'est nul. Genre, c'est une V pourrie. Je l'ai déjà. Là, c'est déjà 3 boosters inutiles. Une V, c'est vraiment nul. Après, je me plains, mais on a quelque chose, au moins, minimum. Mais c'est quand même vraiment pourri. Il y a d'autres V que j'aurais pu avoir que j'ai pas. Et c'est nul les V en plus. Bon, c'est pas grave, on arrête de se plaindre. Énergie, feu, Luxio, Mustéflo, Efflèche, Hippotramp, Charivari, Kilocroc, Yanma, Morpeko, oh, Hexadron Shiny et Gorythmic. Bon, pas ouf non plus, mais bon, c'est pas grave. C'est. Ouais. Moi, après, je m'en fous un peu des shiny, je vais pas vous mytho. Je vais pas tous les collectionner, il y en a beaucoup trop. Mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Je vais arrêter de me plaindre. 1, 2, 3, 4. Allez, il reste deux boosters. Allez, une bonne foulard, ça serait sympa. Énergie, je sais pas quoi. Bannière. Badaboin. Tropius. Lixie. Wistempo. Cracnoa. Yanma. Smogo. Blancoton et Volcanion. What the fuck? Les gars, c'est la pire ouverture que j'ai fait. N'achetez surtout pas ces coffrets. Déjà, ces coffrets, ils coûtent cher. Et en plus, vous avez rien dedans. Les deux coffrets, les gars, ne viennent pas du même endroit. C'est deux coffrets totalement différents que j'ai achetés. Et les deux sont nuls. J'ai rien eu. Alors que c'est même pas les mêmes. Ils viennent de deux endroits différents. Enfin, c'est nul. Bon, bah, c'est la vie. Alors que, faut savoir, Destiny Radieuse, c'est la collection où vous avez le plus d'ultra rares. Allez voir ma dernière ouverture, c'était incroyable. Mais c'était incroyable. Là, c'est catastrophique. Énergie, je sais pas quoi, et flèche. On n'a rien encore en plus. Bouclier rouillé, balle masquée, Mimigal, Charibari, Tournicoton, Frissonille, Smogo, Bec à glaçon. Ok. Bon, bah, une shiny, hein, super. C'est pas fou non plus, hein, on va pas se mentir. Juste une shiny comme ça. Attendez, hop. Du coup, voilà les gars, c'est déjà terminé, c'est pourri. Je vous montre quand même ce qu'on a eu, mais honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Une V, celle-là, elle doit même pas coûter 2 euros, même pas, tellement elle est nulle. Hexadron, voilà, pas foufou. Bec à glaçon, je le trouve vraiment beau parce que j'aime beaucoup les pingouins. Donc, c'est un de mes animaux préférés, un de mes animaux. Donc, c'est bien sans plus. Mais voilà. Du coup, ouverture vraiment pourrie. Je vous déconseille d'acheter ça. Achetez-les genre une seule fois pour la collection. Comme ça, vous avez Poltergeist et Zapero. Mais si vous voulez faire un pack opening de la mort, achetez des coffrets Pikachu, les gars. Vous serez tellement plus rentable. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ciao!